Gorgius, toi qui es gentil et qui a bon fond, va donc ouvrir. Non, va ouvrir toi-même. On y est allé la dernière fois, c'est à ton tour. Je me lèverai pas de ce divan. Bud, va voir qui c'est. Ah, t'es fou ou quoi? Ça va être le meilleur moment du film. Mais tu l'as vu 100 fois ce film. N'importe quoi, comme toujours. Ah, je ne l'ai vu que 99 fois seulement. Je t'ai dit d'aller ouvrir. Oh, je vous en prie, hein, c'est ça, ne vous levez pas tous en même temps. Je vais aller ouvrir, ah bien oui. Oui, oui, laissez-moi le temps de descendre. Oui, et que puis-je faire pour vous? Bonjour, ma petite dame. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas? D'ailleurs, il fait tellement chaud que je boirais bien un coup. Besoin d'un tire-bouchon? D'une clé de vite? D'un tournevis? Ah, je sais, vous avez besoin d'un aspirateur. C'est que, pour tout vous dire... Je vous présente le complément domestique de l'avenir. L'ami de la ménagère. C'est l'outil de poche indispensable aux mille et un usages. Waouh! Oh, mais c'est magnifique! Mais ça doit coûter une fortune. Pas du tout, délicieuse petite madame. Cette merveille de technologie est laissée au bas prix de... 50 francs. Et si vous n'êtes pas totalement satisfaite, la maison vous rembourse sans aucun problème. Dag, j'achète! Oh, je vous remercie, ma petite madame. Oh, je meurs d'impatience de le faire voir à ma famille. L'affaire s'est réglée les doigts dans le nez. Cette baraque est une vraie mine d'or. Tu fonces et tu mets le paquet. Espèce de petit derviche tourneur. En présence de quoi sommes-nous? Un termite, mangeur de bois d'une extrême voracité. Mais toute la maison est construite en bois. Oh, oh, tu vas devoir partir alors. Oh, oh! Je ne vais pas laisser une bestiole s'amuser à bouffer ma maison. Je me charge de cette vermine. À nous, bande de minus. Je vais m'occuper de votre cas. Ne bronchez pas. Il en serait capable. Le termite s'est construit un habitat à l'étage au-dessous. Cette chose va bouffer notre maison en moins de deux. Il faut s'en débarrasser. Et on fait quelque chose. Calmons-nous, calmons-nous. Je réfléchis. Hé, hey, c'est le type qui m'a vendu l'ami de la ménagère. Je vais aller me faire rembourser cette espèce de gadget inutile. Nous y allons tous, Candy. Les humains sont quelquefois tortueux en affaires. Vous désirez? Excusez-moi, ma petite dame. Désolé de vous déranger, vous et les vôtres, mais j'ai oublié de vous donner le porte-clés gratuit offert avec tout achat d'un ami de la ménagère. Oh! Des termites, hein? La situation semble sérieuse. Attendez voir. La seule chose capable de vous défaire des termites, c'est le fourmilier géant du Pérou. Et vous avez de la veine. Nous proposons des fourmiliers en promo cette semaine.
C'est que vous voyez, vous, je ne pense pas que... Précisément, pas besoin de penser. Je suis là pour penser pour vous. Un fourmilier, c'est pile poil ce qu'il vous faut. Mais ça demande réflexion. Par miracle, j'en ai encore un de disponible. Ça se vend très vite. Et je l'ai promis à l'un de vos voisins. Je vois que cet article ne vous intéresse pas. Tant pis, non, je... Non, nous le prenons. Achat judicieux, ma petite dame. Et je n'ai pas honte de le dire. Ouais, c'est pourquoi. Quand est-ce que tu comptes nous débarrasser de ce misérable insecte? Hé, hey, où que t'as appris la politesse? Hé, hey, madame, c'est un termite. Moi, je suis un fourmilier. Je mange pas de termites. Où est la moutarde dans cette zone? Dis pas merci surtout! Terminé, espèce de charlot bestiolivore. On en a la classe de... Ça, c'est bon. Des mandibules le bien. Maintenant, fais quelque chose. Ne t'inquiète pas, Candy. Je vais régler ce problème. Oh, je suis confus de vous importuner, monsieur, mais puis-je appeler de chez vous? Vous, là, écoutez-moi. Vous nous avez vendu un fourmilier défectueux. J'exige que vous nous en débarrassiez immédiatement. Bien sûr. Il n'existe qu'un ennemi commun du termite rouge d'Afrique et du fourmilier géant du Pérou. Attendez, je veux parler du redoutable lutin des pelouses. Écoutez. Vous croyez peut-être pouvoir duper mon épouse avec vos chansons. Mais moi, je vois clair dans votre jeu. Monsieur, je serais le dernier des idiots si je tentais de duper un homme d'une intelligence comme la vôtre, si perspicace et si brillant. Je l'ai remarqué tout de suite. Avec un quotient intellectuel aussi élevé, votre cerveau ultra-sensible doit vous permettre de déceler la moindre trace de tromperie, même chez les plus honnêtes des commerçants. Ne seriez-vous pas académicien par hasard? Ouais. À la seule dimension de votre boîte crânienne, je l'avais deviné. C'est si rare de tomber sur un génie. Bon, au sujet de ce nain, commençons par régler votre petit problème domestique d'abord, avant de reprendre sur vos brillantes facultés intellectuelles. Oui, bien sûr. Combien en vouliez-vous déjà? Écoutez-moi, tous les trois. La fête est finie, alors fichez le camp. Tout de suite. Et ferme la porte. 3, 2, 1... Stop! On arrête! J'en ai plus qu'assez de vous et de vos machins totalement débiles. Vous allez trouver une solution pour ces parasites. Et vous allez la trouver... tout de suite! Oh, mon petit ami, je ne demande pas mieux que de vous aider. Oui, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui négocie avec ces parasites. Or, il se trouve que je suis médiateur breveté et agréé par le gouvernement. Voici ma carte. Ah. Excellente nouvelle! Ils sont tous prêts à évacuer contre un versement de 300 francs. Parfait, parfait, mais qu'ils s'en aillent! Qu'ils s'en aillent! Un instant! Écoutez, espèce de VRP! On a payé, payé et repayé! Payé pour quoi? Je réclame réparation! Et vous en avez parfaitement le droit. D'après notre garantie, vous devez être satisfait ou remboursé en totalité. Je reprends ça. Et pour vous, monsieur, ma petite note d'honoraire en qualité de médiateur agréé. Voilà. La, 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 la.
the monsters are coming, the monsters are coming, the monsters are coming, they're coming into your house, and I want all you little French kids out there.